Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le média du rugby tarnais qui vous propose, comme nos amis de série rugby, de temps à autre, du rugby catégorie amateur. Et aujourd'hui, nous sommes bien en direct de Saint-Sulpice, où nous sommes, autant le dire, carrément au-dessus de la tribune. Si on veut faire une pause pipi ou caca nous, c'est mort, ça, on ne descendra pas, c'est clair. Merci au club de Saint-Sulpice de nous accueillir. Et pour commenter ce match, évidemment, la star de Radio Olympique TV, le roi d'Amazon, Alexandre Calamotte. Salut Alexandre. Bonjour à tous, bonjour. Alors, en avant, mais non, l'arbitre ne dit rien. Et pénalité. Pénalité pour avoir gardé ce ballon au sol. Le plaqué qui ne libère pas rapidement ce ballon. Et du coup, le défenseur sur ses appuis, logiquement récompensé, qui va occasionner la première pénalité, qui peut être tentable par l'artilleur, peut-être, où on va aller chercher. On est quand même là à 40, 45 bons mètres, peut-être même 47. On est loin quand même là. Hein. Sachant que le vent est plutôt avec. En voyant les drapeaux sur le bord du terrain, nous avons quand même peut-être le vent qui est légèrement dans le dos pour Gimond. En tout cas, 8e minute de jeu, presque 9e minute de jeu. Et le numéro 10, peine pour Gimond, va peut-être, ou du moins, il tente de passer 3 points. Il a la distance. Et ça passe! Et ça passe! L'arbitre ne validera pas ce ballon rapidement joué par Gimond. Alors, comme on le craignait, une touche pile poil en face du poteau que vous voyez en forcément, direct. Hein. Désolé, mais on peut pas forcément faire autrement. Sur la ligne des 5 mètres. C'est les aléas du direct. Hein. Tous les stades ne sont pas équipés pour nous permettre de filmer après, ça dans de bonnes conditions. Tu peux peut-être essayer de décaler, mais du coup, l'image sera peut-être légèrement de biais. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On a un commentateur pour nous dire. Oui, voilà. Allez, le talonneur. Attention, touche très importante, mais c'est perdu. Et le premier essai de la rencontre. Le talonneur qui a lobé tout l'alignement. Le talonneur de Gimond, Busato, qui lobe entièrement l'alignement de la touche. Et du coup, le talonneur en face de lui à récupérer ce ballon pour pouvoir aplatir dans l'embut. Et du coup, premier essai pour Saint-Sulpice. Pour Saint-Sulpice, à la 31e minute de jeu. Cinq pour Saint-Sulpice, 3 pour Gimond, en attendant la transformation de cet essai par le numéro 10 et demi d'ouverture, Sylvain Luc, que je pensais être sorti, mais en fait, ce n'est point lui. Et le numéro 20 qui rentrait à la mêlée, le numéro 9 qui est encore sur le terrain. Donc j'aimerais bien savoir qui est sorti sur blessure. Et c'est l'arrière, c'est le numéro 15. C'est le numéro 15 qui est sorti. Et du coup, monsieur l'arbitre, il va rester pédagogue pour cette fois-ci. Il va rester pédagogue sur cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pénalité. On va prendre des points à 4 minutes de la fin de la première mi-temps. Des points précieux qui vont permettre à Saint-Sulpice. Monsieur Taché, d'accord, mais je tâcherai justement de dire Monsieur Taché. Alexandre et les jeux de mots. Le spécialiste. Aussi bon en commentaire qu'en jeu de mots. Ouais, des fois, j'ai droit à la petite musique de pam 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 pam. J'ai pas dit encore. Et ça viendra. Allez. Monsieur Sirvin frappe. Et ça va passer. Ça va passer.
37e minute de jeu. 10 pour Saint-Sulpice, 3. Alors on n'a pas encore le ralenti, excusez-nous, mais alors, on n'a pas encore le ralenti. Faut peut-être pas déconner, hein. On va attendre un peu, hein. On n'est pas canal encore. Hein. Mais ça viendra, on ne désespère pas. Mais déjà, il y a un léger décalage, je peux revoir un petit peu l'action avec sur ma tablette, hein, pour essayer de voir déjà si, pour essayer de commenter au mieux, mais... Et une position hors-jeu là, une position hors-jeu. Et on voit que le public en dessous de nous, ils suivent le match. Hein, ils suivent bien le match. Allez, tentative. Deux pénalités. 39e minute de jeu. Pour tenter de recoller légèrement au score. Ah, le délégué se fait chambrer. Et le délégué qui se fait chambrer en direct. Il prend ça avec le sourire, c'est bien. Oh, il s'est fait chambrer gentiment. Hein. Oui, attention, oui, hein. Oui. Il faut la tirer à droite. Tout droit, à droite. Nous, on se fait chambrer sur le ralenti. Hein. Je te dis Thomas. Les gars, je te dis ça, Thomas, mais il va déjà falloir... le direct, le replay et le tout. Le mettre à la régie, alors ça va faut être... Faut pas pousser mes dans les orties, quand même. Hein. On verra pour l'année prochaine. Hein. On y travaille, on y travaille. Allez, c'est frappé, ah. C'est tendu, mais ça va non, passer à côté. Ça passe pas. Ça passe à côté. Toujours 10 à 3 pour Saint-Sulpice. Et il reste moins d'une minute de jeu. Carmouze. Ah, ça perd du terrain. Hein. Peut-être un en avant. Ouais. En avant. En avant. Et voilà, l'arbitre met un terme à cette première mi-temps. On vous rappelle le score donc. 10 à 3 pour Saint-Sulpice. Rappeler quand même, hein, puisqu'on vient de commencer cette deuxième période, le score de 10 à 3, 10 pour Saint-Sulpice, puisque généralement pour les puristes, on donne toujours le score dans le sens de celui qui reçoit et celui ensuite qui se déplace. Donc le score 10-3. En attendant... Avec une belle pénalité, là. Une belle pénalité qui était presque la même en première période. À la 9e minute de jeu, je regarde mes notes. Par l'artilleur de Gimon. Une grosse tatane. Hein. Grosse tatane qui passe. Oh là 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 là. Celui-là, ouais. Il me plaît. Hein. Introduction Gimon. Attention à l'introduction. Là, que va dire monsieur l'arbitre? Ouais. Et là, c'est la mêlée de Gimon qui est sanctionnée. Alors, la liaison peut-être du pilier droit côté Gimon. Ce que tente de dire monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'ils vont choisir là? Qui pousse en travers. Touche, mais le numéro 3 de Gimon qui tente de dire monsieur l'arbitre. Il y avait peut-être un problème de liaison, mais de toute façon, l'arbitre a sifflé. Et donc, tentative de pénalité. Ça suppose ce qui veut marquer relativement des points. Allez, on est à la 49e minute de jeu. Hein. 49e minute de jeu. Oui, note pour mes replays de demain. Ouais, voilà, c'est ça, hein. ça te permet, toi, de faire les highlights. Qui fonctionnent bien, les petits résumés du lundi matin que vous retrouvez, en plus des résultats du rugby du week-end. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez voir l'intégralité de cette rencontre demain. Sur notre chaîne YouTube ou notre Facebook. Et sur le Facebook, tout à fait. Allez. C'est frappé, tendu, mais ça va passer non, à côté. Ça passera pas. Ça passe à côté. Ah, c'est dans le thème. Ouh. Voilà, ça tape fort là. Ouais. Et le soleil qui refait son apparition là pour. Oh, oui, bien. Ça c'était bien vu. Et là ça se frictionne oh, là-bas. Ça se bat là, ouais. Là il y a. Justement, on voyait la soupe de Valange. Et ben voilà. Vous le vouliez, la soupe de Valange, et ben on l'a en direct. Mais ça se calme assez rapidement. Ça s'échauffe, comme dirait Juju. Ouais, c'est ça. Ça se chauffe. Il faisait un peu froid, le soleil ne faisait pas trop son apparition. Et bien voilà, boum. Soupe de phalange. Ah mais, ça cherche encore, c'est pas fini là.
Attention messieurs, parce que cette fois-ci il y a une caméra. Hein ouais. Même une double caméra. Oui, c'est vrai. Allez, mais je crois même que c'est la première fois que ça part un petit peu en bagarre chez nous. Hein ouais, cette saison. Longtemps. Ça faisait longtemps. Non, c'est déjà arrivé, mais. Cette saison ? Ben oui, il me semble. Peut-être, ouais. Peut-être une ou deux fois, mais. Saison, mais comme ça, peut-être pas. Alors que va dire monsieur l'arbitre ? Est-ce qu'il va sortir les petits cartonnets de couleur ? Les fameuses biscottes. Les fameuses biscottes, comme on dit dans le jargon rugbystique. Où va-t-il rester zen et parler aux capitaines respectifs des deux équipes. Le problème, c'est que l'arbitre était concentré sur la phase de jeu. Il a la main à la poche, là. Il me semble qu'il a la main à la poche, monsieur l'arbitre. Oh, ben de toute façon, ça va être pour qui ? Pour calmer tout le monde, de toute façon, je pense, pour rester dans la logique des choses, un carton de chaque côté, et voilà. Je pense que, voilà, mais c'est ça, carton jaune des deux côtés. Comme ça, ça va se calmer un petit peu. Ça, on ne pourra plus trop voir des chauffourées. Oh, oui, bien, des passes. Qui mettent l'alignement défensif à mal. Allez, on est rentré dans les 22 mètres. Beaucoup de vitesse côté Saint-Sulpice. Pour... Allez, écarté, attention. Oui, peut-être. Hop, il est revenu. Il va peut-être aller marquer l'essai. Oui. Essai. De cet essai, le score qui est passé 15 à 6. Saint-Sulpice. Et là le vent qui s'est levé. Hein. Donc c'est tendu et ça va pas passer. Ça va pas passer. Par contre, on m'informe que Saint-Céré vient de mettre un essai face à Saint-Ragoutte. Ah, ça risque d'être tendu là-bas aussi. Il y a des petites des positions d'hors-jeu là, oui, effectivement. Et il reste. Oui, il passe après contact. Il essaye de déborder. Ah oui, il va y aller tout seul. Il va y aller tout seul. Le numéro 11 de cette équipe qui va aplatir. Magnifique. Franchement, magnifique. Et des plaquages manqués à côté Gimon qui laisse le champ libre à ce numéro 11, Sirven Léo. Qu'il a le vent quand même ouais, mais le vent est contre maintenant hein, sachant que le vent était plutôt dans l'autre sens en première période, c'est bizarre hein. Ce vent est légèrement tourbillonnant là, parce que c'était plutôt dans l'autre sens tout à l'heure hein, comme le disait là sur la première pénalité effectuée par Gimon où on avait le vent dans le dos, et là bizarrement le vent est plutôt contre là, contre Saint-Sulpice. Allez, ce ballon qui est frappé et qui passe. Ça passe. 22-6 pour Saint-Sulpice. Allez, on est rentré dans les 22 mètres avec un lancé par le numéro 16, puisque M. Busato est sorti. Donc numéro 16, M. Biro qui va tenter... Non, c'est bon, il y a un ballon qui arrive par la route. Je pense que ça a dû tomber sur ma voiture là-bas. Elle est pas loin. On n'a pas d'assurance à Radio Les Pics. Ouais. Allez, le numéro 8 qui vient percuter la ligne défensive blanche. Allez, une doublée. Bien. Oh oui, l'arrière qui est venu se proposer. Plein centre qui va aller peut-être aplatir un essai. Oui. Un essai en coin par l'arrière, le numéro 15, Lacombe de Gimon, qui est venu plein champ en croisé avec, me semble-t-il, son demi de mêlée. Et qui est venu trouver un trou plein centre et qui a eu une course vers l'extérieur pour aplatir cet essai en coin. Ouais. Gimon qui s'avoue pas vaincu là. Attention, il reste du temps. On va dire une dizaine de minutes, facile.
Rien n'est fait. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Le score qui passe à 24. Non, 22, 13. 22 à 13, oui. Ça, c'est les lunettes de soleil, ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Je pense qu'il va falloir que... 22-13, finalement, rien n'est encore fait. Je crois qu'il va falloir que je prenne un rendez-vous avec mon ophtalmo, je crois. Ah, mais on se dit tout, carrément, à l'entente. Ah oui, mais oui, mais bien sûr. Soyons fous, allons-y gaiement. Tu veux pas citer le nom de ton ophtalmo tant qu'on y est? Ouais, non, quand même. Hein, on va pas faire de la pub. Déjà que quand tu prends un rendez-vous, t'en as pour 6 mois à chaque fois, voire peut-être même un certain un an. Alors... Hashtag vie ma vie d'Alex. Ouais, c'est ça. Beaucoup de ballons tapés au pied et restant dans l'air de jeu qui ont fait cavaler les différents acteurs de cette rencontre. Allez, attention, là, Gimon qui est sous pression, mais qui garde ce ballon, qui écarte. Ouf, c'est peut-être jouer avec le feu, effectivement, Thomas. Ouais, là, ça joue avec le feu. Ouais, et c'est venu perdre les appuis côté Saint-Sulpice. Et en plus, on vient râler, donc je pense qu'il va y avoir une biscotte. Il va y avoir une biscotte. C'est venu donner des noms d'oiseaux, je pense. Et du coup, la biscotte... Ouais, ça serait dommage. Ça serait dommage, mais je pense que... Voilà, carton rouge pour le numéro 2, Gali de Saint-Sulpice. Que s'est-il passé? Est-ce que... Ouais, ça a dû fuser, là. Je pense qu'il y a eu peut-être à y avoir des mots. Ouf, on en avant. Peut-être un ballon poussé au pied qui va peut-être devoir mettre sous pression le numéro 22 d'Uro. Et du coup, terminé. Le score final sera celui-ci, 22 à 13. Et voilà. Mon cher Thomas. Eh bien, c'était un chouette match que celui de cette Fédérale 3 entre Saint-Sulpice et Gimon. Et victoire de Saint-Sulpice, 22 à 13. Alexandre, merci pour tes super commentaires. Ouais, merci à toi aussi pour ta diffusion. Merci d'avoir été encore nombreux aujourd'hui à nous suivre.